Yacine, là, ton frère. Ouais. On l'a vu à la gare du Bagalan tout à l'heure. Dingue, hein. Il a fait un truc de ouf. Hein. Il a fait quoi? Ah, je vais pas te mentir, il a fait un truc de ouf. Ouais, il est arrivé à la gare et un mec, juste parce qu'il l'a mal regardé, là, il l'a cogné. Quoi? Il y a un mec, tu l'as défoncé. Non. Il est en sang, tout ça. Non. Il va porter plainte. C'est pas vrai. Putain, mais lui, tu sais très bien comment il va réagir. Ah, bah, ça sera le bled. Hein. Allons, tu vas vous envoyer au bled tous les deux. The next day. Wesh, lève-toi depuis tout à l'heure, on t'attend là. Vas-y, on doit y aller là, il y a test PCR, je sais pas quoi, pour prendre l'avion. Ouais, ça va tranquille. Vas-y, tu vas, moi je viens pas avec toi, c'est mort. Hein. Tu fais ton test PCR et tu me casses pas la tête. Pourquoi vous avez pris rendez-vous pour moi aussi? Moi je viens pas, c'est que toi. Hein. Je viens pas, laisse-moi tranquille. T'es obligé, je vais dire à papa, tu veux pas descendre. Pas grave, je viens pas. 7h, c'est pas une heure pour se lever, sérieux, ça fait pas encore partie de la nuit. Ah, mais lui aussi il va le faire, hein. Il va venir avec moi lui aussi. Si je vais, je vais pas tout seul. Hein. Allez, on va faire le test du Covid. T'as pris la clé? Moi, j'ai pas la clé, c'est toi. Hein. Elle est là. C'est que si t'es négatif, tu peux pas y aller. Hein. Mais c'est pas bien de souhaiter la maladie. T'es positif. T'as pris la clé ou pas? Ouais, c'est là, c'est là-dedans là, qu'il faut le faire dans le petit local. Maman, s'il te plaît, on y va pas, non? Putain. Moi, j'ai pas envie d'y aller. Regarde ma tête, je vais aller comme ça au bled. Comme ça, je vais pas me marier. Moi, je vais pas. Si ils veulent nous marier, ça y est, j'ai cramé. Moi, j'ai mal ici, là, tout là. Ils veulent nous marier. En gros, si moi je suis négatif et toi t'es positif, ou l'inverse, il y en a un des deux qui va et l'autre qui va pas. Mais non, s'il y en a un qui est positif, personne va. Ah, ok. Bah, peut-être on va être positif ou négatif. C'est possible parce que j'ai mal partout ici. Eh, ça fait mal ou pas? J'ai jamais fait. À ce qui paraît, quand tu n'es jusqu'à ici, là. Moi, Yacine, il est en train de passer. Regardez. Tu as le bled. Alors le code qui est sur votre feuille, il est pas bleu. Le code. T'as deux boîtes là-bas? Ça vous dérange pas si je me filme, moi? C'est que moi. Non, on est qu'une seule, elle a dû partir avec. Ça va? Oh, ouais, ça pique. Comment ça pique? Non. Moi, elle me l'a rentré jusque là, frère. Et alors? Tcha 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 tcha. Eh, ceux qui l'ont jamais fait. C'est rien. Toi, non, parce que toi, t'as eu le bon bâton. Moi, j'ai eu un bâton qui pique, frère. Mais toi, t'es un malade, frère. À cause de toi, je dois aller au bled à cause de tes conneries. Faut que je m'achète des trucs. J'ai rien. Là-bas, il fait grave chaud. Tu comprends? Chaud. Hot. Faut que je prenne des shorts. Je sais pas, une paire de baskets pour jouer au foot, si là-bas on peut jouer au foot. Tu parles de foot, on va au bled, le bled, c'est ce que c'est le bled. Et tu vas y'a que des rochers, tu vas faire quoi là-bas? Y'a des cafards comme ça, gros comme ça. Mais au moins il faut des claquettes et des shorts. Viens, on y va. Des claquettes de quoi? Des shorts de quoi? Ça le fout. Mais on est obligé, frère, et là-bas y'a bien un ballon de foot, au moins on va faire quoi toute la journée au bled? Y'a pas de ballon de foot, le bled, tu vas aider tonton à labourer les champs et à rester à la maison toute la journée. Bah, il faut des baskets, frère, viens, on y va. Je comprends pas que ça sert à rien, tu vas au bled. En fait, j'hésite, il y a celles-là, elles sont bien, mais ça, il y a des choses. Tu vas au bled, tu vas faire quoi avec ça? Celles-là, elles sont bien, mais imagine, regarde, t'as vu quand tu marches dans les champs? Tu peux pas marcher avec ça, c'est pas possible. Donc il va me falloir une paire, tu m'as ramené dans tes conneries, maintenant tu vas me trouver une paire. Tu vas faire quoi avec ça? Tu vas aller au bled. Avec celle-là, en plus, tu vas les donner, quand tu vas aller là-bas, tu vas les donner aux cousins. Et ça? Bah oui, je suis ça. Ah bah je crois que celle-là fait 50 euros, celle-là fait combien celle-là? 9 euros. Prends les 9 euros, tu vas les donner aux cousins de toute façon. On profite de la dernière fois, là tu vas aller là-bas, c'est que des faux. Là c'est des vrais. Regardez les nouveaux trucs du Real Madrid, Mskie. La dernière fois qu'ils les voient, ils sont trop trop beaux. C'est quoi ton équipe préférée pour l'année prochaine, les meilleurs maillots? Par contre, Marseille, c'est quoi ça? Comment voulez-vous faire respecter avec ça, Marseille? Moi, mon truc préféré, Yacine, c'est ce haut-là. Il est magnifique. Et toi, de la prochaine saison? J'ai pas le moral à ça, Younes. T'es sérieux? Ouais. Et Paris, ils ont fait ça pour ceux qui kiffent Paris. Ils ont fait Jordan. Mais ça, c'est les tout derniers nouveaux. On vous dit au revoir, ça a été un plaisir de vous avoir rencontré. Bon, vas-y, descends, je t'ai fait un petit cadeau avant de rentrer au bled là. Regardez, moi j'ai mis le maillot de la Juventus, profitez une dernière fois. Ma coupe, je me suis même pas coiffé, je suis tellement dégoûté. On va aller le voir. Prends les sacs, tout ça. Je t'ai amené dans un stade parce que c'est un stade vraiment spécial qui est vraiment en bon état. Parce que peut-être qu'au bled, il n'y aura plus de stade, c'est ton dernier foot. Donc go. Bon, tu vois le synthétique par terre, tu vois la gomme là, tu vois ça là. Profite parce que le bled où on va, je pense pas qu'il y aura ça, frère. Tu veux que je profite et... Quand t'es pas bien dans ta tête, tu peux pas jouer, c'est pas possible. Profite, tu peux rien faire. Touche le sol, touche un petit peu, c'est la dernière fois là. T'es prêt ou pas? Prends du plaisir, hein. Parce que les terrains, ils seront, tu vois les cailloux là-bas là? Que des cailloux comme ça. Avec des gens qui cassent, des gros tacles. Quelques temps, t'en as pensé quoi du dernier là?
Il n'y a que le sport qui te fait oublier tes problèmes. Ah ouais, ça va. J'ai grave envie de ne pas partir, j'ai envie de rester là. Putain. Retour à la réalité. Bon, je te propose un truc. Quoi? Entre toi et moi. Tu vois le poteau qui est là-bas là? Non. Si tu mets le poteau qui est, y a, qui est en, dans la vitre du milieu du camion. Ouais. Si tu le mets, et moi je le mets pas, je dis que c'est moi qui m'ai battu, je vais au bled tout seul. Vraiment? J'ai tellement confiance en moi que je sais que t'es trop. Tu vois là? Ouais, ouais, ouais. Ah, tu vois, ouais. Wallah, wallah, c'est bon. De là, direct. Hein. Attends, on connaît bien d'accord, c'est le poteau du milieu. Ouais. Vas-y. Lui là? Ouais. Ok, vous avez bien retenu. Même le tout puissant, il veut que tu ailles au bled. Tu vas aller au bled, c'est tout. Vous avez tous fait des photos, c'est bon? Profitez parce qu'il va aller au bled là, vous avez pu le revoir. Hein. Il va aller au bled? Ouais, il va aller au bled. Vous avez tous fait vos photos, c'est bon? Ouais, carré. Carré. C'est bon, c'est carré, tu leur as fait des photos, cette fois, t'as gonflé personne. Vas-y. 1 hour later. Vous voulez entendre une énorme blague? Au bled, je peux pas prendre ma voiture. Donc la voiture, je vais la laisser là. Et si je laisse là la voiture, ma famille, ils auront les clés, tout ça, donc ils pourront l'utiliser. Donc là, ce que je vais faire, c'est que moi, je suis pas un pigeon. Vous voyez ma tête? J'ai une tête de pigeon. Enfin, avec la coupe que j'ai aujourd'hui, ouais, j'ai une tête de pigeon. Mais je suis pas un pigeon. Donc regarde, je suis en train de faire un tour. Je suis en train d'user toute l'essence. Regardez, la barre d'essence, elle est juste à droite. Il reste 110 km. Toi, ça y est, j'ai compris pourquoi tu t'entraînes en fait pour frapper des gens, c'est ça? J'ai appris encore une nouvelle, j'ai la haine contre toi. Tu sais, l'avion, il part à quelle heure? 8h du matin. Tu sais, on doit être là-bas à quelle heure? 5h du matin. C'est grave ce que vous faites. Hein. Je fais quoi? Vous mentez, vous m'accusez, vous m'envoyez au bled, c'est très grave. Hein. Vous Encore, il y a avec toi qui irait, j'en ai rien à foutre, mais même moi je dois aller avec toi. Et tu joues à quoi là? Tu fais quoi avec tes pims? Je ramène ma nourriture. Comment ça tu ramènes? Mais là-bas, il y a du mouton et tout. Mais, oh, attends, j'hallucine là. Il a ramené des pims. Ouais. Mais là-bas, il y en a, wesh. Ils vont pas me laisser dire à l'aéroport. Les pims? Ouais, ceux qui tamponnent les passeports avec la haine. Je sais pas. Pourquoi? Mais tu penses que ça va rentrer tout ça là? S'ils me les saisissent. Si on doit. J'ai même pas envie de parler. Il y a un sac là, tu peux mettre ça dedans. Tu vas vraiment prendre les pims? Ouais, je vais prendre les pims. Les quinoa, les tranches de dinde. Ouf, ou pas. Je vais tout prendre. Ça sert à rien là-bas, j'espère qu'ils vont te marier parce que toi t'es un mec bizarre. Hein. Tu vas revenir marier avec des enfants. Ça va être carré. Je vais pas m'occuper de moi, je vais me marier moi. C'est ton dernier repas après le bled. C'est bien, tu manges équilibré, de toute façon on va te marier. Tu te fous de ma gueule là? Non. Je sais que la famille, à cause Yacine, je vais devoir aller au bled. Faut que je sois un mec, je suis sûr, ils vont me marier au bled. J'en suis sûr et certain. Pas une zoubidasse. Tu dis à maman, avec les yeux bleus et blonde, ok? Non, c'est minimum. Le minimum. Et moi, je mange équilibré, je vais pas être gros, ça va? C'est Rati Jamila qui va décider. Quoi? Tu vas aller dans sa maison? Bon, la famille, je vais vous laisser là, je vais préparer mes valises, tout ça. Et là, on va se retrouver à l'aéroport, je pense, hein, ou je sais pas. Mettez un like si vous voulez savoir où on va aller.